clap de fin pour l'un des couples les plus glamour de la planète Hollywood. Sofia Vergara et son mari Joe Manganiello viennent effectivement d'annoncer qu'il avait pris la décision de divorcer. Si est-il un deuxième mariage qui tombe à l'eau pour la comédienne. Sofia Vergara vient d'annoncer, en exclusivité à Page 6, qu'elle mettait un terme à son union avec Joe Manganiello. Les deux acteurs ont fait parvenir, aux médias américains, un communiqué qu'ils ont rédigé ensemble. Nous avons pris la décision difficile de divorcer, explique-t-il dans cette missive. Puisque nous continuons de nous aimer et de nous préoccuper l'un de l'autre, nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant que nous nous adaptons à cette nouvelle phase de nos vies. Marié à son ami de longue date Joe Gonzalez, et père de son fils Manolo, 31 ans, en 1991, Sofia Vergara avait dit oui, pour la deuxième fois de sa vie à Joe Manganiello. En couple depuis la fin de l'année 2014, il s'était passé la bague au doigt un an plus tard, en novembre 2015. Plutôt que de se laisser abattre seule chez elle, l'héroïne de la série Modern Family s'est rendue en Europe avec ses meilleurs amis et poste, depuis, des photographies sur les réseaux sociaux. Quand la vie te donne des citrons, tu vas en Italie pour les presser, plaisantait-elle récemment. Elle a d'ailleurs choisi l'île de Capri pour ses vacances. Les paroles de la chanson de Hervé Villard, Capri si esti fini, étaient sans doute prémonitoires. Sofia et Joe s'éloignent depuis un bon moment maintenant et ils prennent de la distance pour se faire une idée de leur futur, a révélé une source de Page 6. Si elle est actuellement en Italie, si esti pour une excellente raison. Sofia Vergara a fêté ses 51 ans le 10 juillet 2023 et profite du soleil et de la Dolce Vita, en cet honneur, au pays de la botte. Certains avaient eu la puce à l'oreille, vis-à-vis de son divorce, en constatant qu'elle était partie sans Joe Manganiello. Et sans sa bague au doigt. Les tourtereaux avaient été aperçus pour la dernière fois ensemble à Hoboken, alors que Sofia Vergara rendait visite à son époux sur le tournage du film Nona de Stephen Chbosky. Coupé.